بسم الله إن ولي الله وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الشافي، بسم الله كافي، بسم الله معافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. إن شاء الله تعالى les frères et sœurs, je vous ai apporté aujourd'hui avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala un secret de Ayat al-Kursi. Comme vous le connaissez, le verset du trône: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wa al-ardi wa la yawdihi hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Donc c'est le verset du trône, insha Allah ta'ala, qui va vous aider, qui va vous assister en cas de besoin, insha'Allah ta'ala. Celui qui vit des difficultés, celui qui est bloqué, celui qui ne sait plus quoi faire ou aller, celui qui a tout tenté et ça revient toujours au zéro, aujourd'hui vous avez le secret devant vous de Ayatul Kursi que vous pouvez utiliser sans aucun souci, sans aucun problème pour assister à cette urgence ou bien régler ce problème urgent ou bien sortir de ces difficultés. C'est très simple, il suffit justement de lire l'ayat al-Kursi: Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, jusqu'à la fin du verset 313 fois. Donc c'est le verset du trône, c'est le meilleur verset du Coran. Iblis même a dit: celui qui récite l'ayat al-Kursi, Shaitan ne pourra rien contre lui. Et la majeure partie des gens qui sont bloqués par des mauvais esprits sataniques qui bloquent toutes leurs activités et qui leur posent problème tous les jours. Alors, faites ce zikr une seule fois et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala d'éclaircir votre avenir, d'éclaircir vos activités, inshallah, ta'ala, la lumière jaillira devant vous. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un secret de protection également. C'est un secret pour une personne qui se sent être menacée. Il peut faire ce secret. Il peut faire ce zikr, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, l'épargnera de toute menace, de tout danger, inshallah ta'ala. Donc ne vous hésitez pas de partager cette vidéo. C'est vraiment important. Mais également de vous abonner à cette chaîne YouTube. Les gens qui auront besoin de la bague Boudoudou, vous avez les numéros, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je n'ai pas oublié, quelqu'un parmi vous m'a proposé d'ouvrir un groupe WhatsApp dont le nombre sera limité pour le partage des secrets. C'est la publication que vous voyez en début de vidéo. Donc si vous êtes intéressé par ce groupe, vous pouvez lui contacter directement, il va vous mettre, inshallah ta'ala, dans le groupe WhatsApp. Comme ça, vous allez pouvoir bénéficier des secrets qu'on va publier là-bas. Donc, secret reste secret, le Coran reste le Coran, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala restent les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura aucune ségrégation entre les publications qu'on va faire ici et les publications qui vont passer dans le groupe WhatsApp. Donc l'objectif, c'est de partager le mieux possible le secret coranique afin que beaucoup d'entre vous qui vivent des difficultés puissent y sortir sans souci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.